Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. C'est en février 2019 que la prestigieuse Ligue américaine de basketball, la NBA, avait annoncé la création d'une compétition dénommée Basketball Africa League, co-organisée en Afrique avec la Fédération internationale de basketball. Pour parler de cet événement, Décryptage reçoit Bounane Ndiaye, l'un des agents les plus influents du basketball africain et européen. De passage au Cameroun pour la tenue du camp d'entraînement du basket Why Not Me, dont il est le promoteur, Bounane Ndiaye revient sur ce gigantesque projet sportif qui à coup sûr portera le basketball africain à un très haut niveau. Pourquoi la NBA a-t-elle porté son choix sur l'Afrique pour la création de cette ligue ? Pourquoi l'Afrique ? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est tout simplement le continent qui a le plus gros trou de croissance, où on en voit nos richesses, on voit qu'il y a les choses évoluent à vitesse grand V, et on voit surtout un potentiel humain qui est illimité. On voit l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est Joel Embiid. On voit des Victor Oladipo, on voit des Nicolas Batum, on voit tous ces joueurs africains sont là aujourd'hui, sont des vraies icônes de la NBA. Donc, obligation de s'intéresser au continent. En même temps, il y a aussi une envie de vouloir développer le grassroots, de pouvoir aider un peu l'Afrique à améliorer ses infrastructures et à avoir formé encore plus de joueurs. Quelle plus-value la Basket Africa League pourra-t-elle apporter au niveau du basketball africain ? La NBA, c'est l'une des ligues les plus puissantes du monde. Économiquement, au niveau de l'image, au niveau du marketing, au niveau de tout ce qu'ils font, c'est l'une des meilleures ligues au monde, tout sport confondu. D'accord ? C'est une ligue incroyable. Obligatoirement, quand la NBA fait le choix de créer 12 franchises en 2020, ça veut dire que soit améliorer 12 infrastructures, soit créer de nouvelles infrastructures, ça va améliorer, inciter nos dirigeants à développer l'infrastructure sportive, qui est essentiel aujourd'hui pour développer le sport. Numéro un. Deuxièmement, la structuration. La NBA va permettre à beaucoup de dirigeants africains d'apprendre comment gérer le sport. Cette organisation qui est en NBA, c'est nulle part ailleurs. Voilà, donc il y a tout à apprendre en termes de logistique, en termes d'organisation, en termes de marketing, au niveau de l'image. Cette ligue, c'est juste la meilleure ligue du monde en termes d'image. Donc on a beaucoup à apprendre. L'Afrique a beaucoup à apprendre et ça va donner beaucoup d'opportunités à beaucoup de monde qui travaille dans le milieu du sport. Ne craignez-vous pas que cette ligue fasse de l'ombre aux différents championnats locaux sur le continent ? Je pense qu'aujourd'hui, le monde qui réussit est un monde concurrentiel. C'est-à-dire que si demain vous avez une idée d'une entreprise qui est meilleure que l'entreprise en place, vous serez content de gagner le marché. Voilà, il faut être ouvert à la concurrence, il faut être ouvert à ce qui est mieux, il faut être ouvert aux différentes possibilités. L'une ne va pas remplacer l'autre. Je pense que la complémentarité, la diversité, la concurrence ne fera que améliorer, donner plus de potentiel, plus de possibilités à tous les joueurs basket et l'environnement du basket. On a l'impression que le Sénégal prend au sérieux le développement du basketball sur le continent. Pensez-vous que vous avez un rôle particulier dans l'essor du basketball continental ? Non, franchement, je ne pense pas. Je pense que si ce n'est pas un hasard, c'est une coïncidence du fait que Gallo et Fall est le premier dirigeant africain en NBA. Ensuite, il y a eu Masai Ujiri, qui a été général manager de l'année et aujourd'hui l'un des meilleurs dirigeants en NBA, président. Et ensuite, j'étais le premier agent africain. Il y a eu ensuite Hugo Udeze, un Nigérien. L'Afrique, c'est global aujourd'hui. Et le fait que Gallo et moi soyons du Sénégal ne veut pas dire qu'on est à la pointe de quoi que ce soit. Ce monde, il est global. J'aurais pu être Camerounais ou Nigérien ou autre. C'est uniquement une question. Pour moi, c'est un pur hasard. Ou quand je dis qu'il n'y a pas de hasard, il y a peut-être deux personnes du Sénégal qui ont eu la même envie d'avancer dans le sport, la même détermination, beaucoup de travail et une certaine réussite. Mais ce n'est pas lié à notre nationalité. Serait-il possible que dans les 10 prochaines années, la NBA soit dominée par des joueurs africains ? Dans 10 ans, je ne sais pas. Mais en développant les infrastructures en Afrique, en développant le niveau de connaissance, le niveau des coachs en Afrique, on a le plus grand potentiel au monde. Il y a des Joel Embiid, peut-être pas dans ce camp, mais quelque part dans un endroit ici au Cameroun.
il y a des Lugba Mouté, il y a des Siakam, il y a des Batum, il y a des Gobert. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il faut les trouver à temps. Et tant qu'il n'y aura pas de structure, on aura du mal à les trouver. S'il y a beaucoup de structures partout dans le Cameroun, partout en Afrique, on va pouvoir trouver nos talents plus tôt et en faire des grands joueurs. Voilà, parce qu'on sait tous qu'ils ont commencé tard. Même si Embiid est là où il est, il a commencé tard à jouer au volleyball, à jouer au basket. Donc moi, je crois qu'on peut devenir un continent dominant en termes de potentiel. Mais je persiste à dire que le continent, bien sûr, me tient à cœur. Le continent est en moi, ici, dans ma tête, dans mon cœur. Mais en même temps, la diversité, le fait de concurrencer les Américains, les Européens, les Serbes, les Français, c'est aussi une chose qui est riche aujourd'hui, de regarder ce que font mieux les autres et copier et prendre et se l'approprier.